Ah, ça vous stresse hein, quand les smartphones y tombent comme ça. Hein. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle technologie qui va enfin vous permettre de sauver votre smartphone de la moindre chute. C'est parti! Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des coques ressemblent en fait à ça. C'est un petit plastique, généralement soit un peu dur, soit un peu mou, qui protège surtout l'arrière du téléphone et pas vraiment l'avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'avant, on a tendance à mettre une protection en verre. Maintenant, ça protège surtout l'aspect esthétique, puisqu'au moindre impact, les composants du téléphone le ressentent très très fort. De là est née l'idée de créer des sortes de airbags pour les smartphones, une idée qui n'est pas complètement novatrice puisque Amazon, mais aussi Honda travaillent sur la question depuis quelques années. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un nouveau design créé par l'ingénieur allemand Philipp Frenzel de l'université d'Aalen. Il appelle ces nouvelles coques les AD Case pour Active Damping ou l'amortissement actif. Il a essayé au début de créer un vrai système d'airbag pour les smartphones, mais s'est vite rendu compte que c'était beaucoup trop lourd. Du coup, il a créé un nouveau système de coque avec un accéléromètre à l'intérieur qui détecte les chutes. Lorsqu'une chute est détectée, il y a quatre pattes métalliques qui se déploient sur les côtés du téléphone et qui vont justement le faire rebondir sur le sol. Une fois que la chute est absorbée, il vous suffit juste de récupérer votre téléphone, de fermer les lames entre elles et de reclipser tout ça dans la coque. La solution n'est pas parfaite bien sûr, il y a toujours ce point au centre de l'écran qui pourrait se prendre un coin de table et se briser d'un coup. Ceci étant, c'est la seule solution qui absorbe vraiment complètement le choc et qui va du coup vraiment sauvegarder les composants. Pour le moment, Philipp Frenzel ne dispose que d'un prototype de sa coque qui n'est d'ailleurs adapté que aux iPhones. Ceci étant, il est en train de déposer son brevet et ne va pas tarder à lancer une campagne Kickstarter pour pouvoir financer sa production. On se doute quand même qu'au bout d'un moment, les smartphones Android seront dans les goals. Il ne suffira plus qu'à attendre. Nous, en tout cas, on l'attend beaucoup et on a hâte de le tester pour vous le montrer plus en détail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines créations. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. You win sur Frandroid.